días me presento yo me llamo señor Munazer llamado por señor Fuego profesor de español como lo sabe bien estamos en crisis sanitaria tenemos que respetar las medidas barreras uno lavar las manos a cada instante Tousser en el hueco del codo, respectar la distanciation. Bueno, como se ve hoy, aquí tenemos idioma español, componente gramática, tema concordancia de tiempo. Título, la expresión de la concordancia de tiempo. À la final de sa leçon, los alunos de la tia sont à de construire las frases à a ochenta La concordance de los tiempos. Nous allons la concordance des temps aujourd'hui. La concordance des temps nous sert à conserver et à respecter les règles grammaticales de la langue dans un langage soutenu. Parce qu'en espagnol, nous avons le langage courant et soutenu. Donc, nous devons respecter la concordance des temps. Mais la concordance des temps a ses règles. Nous disons ceci. Quand le verbe de la proposition principale est au présent de l'indicatif au futur à l'impératif et au passé composé le verbe de la subordonnée sera au présent du subjonctif la deuxième règle nous dit ceci quand le verbe de la proposition principale et à l'imparfait, au passé simple, plus que parfait, conditionnel, présent ou passé, et au passé composé, le verbe de la subordonnée sera à l'imparfait du subjonctif. Je vais d'abord vous donner ce tableau. C'est Ayalou pour des Tomar boligrafo para escrever. Vamos a dibuar. vamos allí voilà. Bien tracé. Eh bien, le tableau est là. Je vais d'abord mettre ici. La proposition principale. Je vais bien l'écrire. Maintenant, la règle nous dit ceci. La règle nous dit ceci. Quand le verbe de la proposition principale est au présent, est au présent. est au présent au futur au futur et au présent au futur à l'impératif À l'impératif, on peut ajouter passé composé. Le verbe de la proposition subordonnée sera au présent du subjonctif. Ça est là. Exemple, deux points. Exemple, deux points. Je vais vous donner un exemple. À qui, je pourrais dire ainsi. Dudo, que l'eau sait pas. Dudo, que l'eau sait pas. Doudo Kelo SEPA. Nous allons analyser. Le verbe ici, de la principale, c'est doudou. Doudo, son état de nature, c'est le verbe doudar. Doudar. C'est un verbe de la première conjugaison. Pourquoi? Parce que ça se termine en AR. Ce qui reste là, c'est le radical parce que le verbe est divisé en deux. Ce verbe là est conjugué à la première personne du singulier présent de l'indicatif. Doudou. C'est pour ça on a dit doudou. que c'est pas, c'est pas là, c'est pas. Son état de nature, c'est le verbe Saber. C'est le verbe saber. Conjugué au présent du subjonctif. Troisième personne du singulier. Parce que c'est un verbe irrégulier. Et comment ça sera en français? Je doute qu'il le sache. Je doute qu'il le sache. Je doute qu'il le sache. Là, j'ai respecté ma règle de la concordance des temps. Pourquoi? Parce que ici, là, la proposition principale est au présent de l'indicatif et automatiquement la subordonnée sera maintenant au et présent. Nous allons maintenant passer ici maintenant au futur. Le futur, je vais prendre le même verbe. Je vais changer le verbe de la proposition principale. Je mets ce verbe là au futur. Comment ça sera au futur Ça sera doudaré. Doudaré. Que l'on toujours c'est pas. Parce que quand le verbe de la proposition principale est au futur, le verbe de la subordonnée, ça sera au subjonctif présent. Donc, ça sera, doudare kelo, c'est pas. Comment ça sera? Comment ça sera en français? Il Faut toujours mettre le point. Comment ça sera en français? Je douterai qu'il le sache. En français. Je douterai. Qui le sache, ça est là. J'ai respecté la concordance des temps. Donc ici, c'est le futur. Futur. Et ici, sous-présent. On peut encore continuer. Si je dis que je vais mettre ça, je vais maintenant mettre ça à l'impératif. Attention. Vous savez comment ça se passe à l'impératif? Nous allons maintenant mettre ça à l'impératif. À l'impératif, ça sera Douda. Et je vais vous expliquer. Douda. Kelo sepa. Isi la komon. Bogou se deman. L'imperatif na ke de person ki li son prop. La premièr person du sengule n'existe pa. Le je n'existe pa l'imperatif. E direktamente teni mok enbe sa tou. Kelo teni mok yase Nous conjuguons au présent de l'indicatif, et La seconde personne de singular et Tachamos la s. Je vais expliquer ça en français. Nous conjuguons le verbe au présent de l'indicatif. Nous soutirons la deuxième personne, présent de l'indicatif. Et nous éliminons S. La, première, la deuxième personne du 5V présent de l'indicatif. Et nous éliminons S. Et là, nous avons l'impératif. Maintenant, je vais mettre maintenant au passé composé. Le passé composé, ça sera A dou da Do. A dado que lo, sépa. Addado, que lo sépa. Beaucoup maintenant se demandent. Parce que ici là, au passé, composé, nous aurons maintenant ce qu'on appelle le participe passé. Parce que le participe passé en espagnol, tous les verbes en AR font leur participe en ADO. Tous les verbes en ER et IR font leur participe en IDO. Comme ce que je vous ai dit au préalable, le verbe doudar, c'est un verbe qui se termine en AR. Voilà maintenant le verbe là, forme son participe en ADO. Forme maintenant son participe en Ado. Donc, tout est là. Nous avons respecté la concordance des temps. Nous allons passer maintenant à la deuxième règle. La deuxième règle nous dit ceci. Quand le verbe de la proposition principale est à l'imparfait, passé simple, plus que parfait, conditionnel et au passé composé, parce que le passé composé se répète, le verbe de la subordonnée s'assurera à l'imparfait du subjonctif. Alors, l'imparfait du subjonctif a deux formes. La première, c'est en « ra » et la deuxième, c'est en « se ». Partons de la troisième personne du pluriel passé simple. Suivez bien. « nota » Boyaburara. Voilà. Je dis ceci. À moi, Tomar Nota, quand le verbe de la proposition principale est à l'imparfait. Et aller parfait. Passer simple. Passer simple. Plus que parfait. Plus que parfait conditionnel. c'est là entre parenthèses que ça soit le conditionnel présent ou passé. et le même passé composé se répète. Le verbe de la subordonnée sera à l'imparfait du subjonctif. A qui est-ce la règle générale? présente de l'indicatif futuro imperfecto. A qui? Imperfecto. prétérito, Plus que quoi perfecto. Donc nous allons maintenant passer aux exemples. Ejemplo. Dos puntos. Nous allons toujours continuer avec le plus que. Avec le verbe doudar. Babou, Quel est l'imperfecto. Doudaba. Doudaba. Pour conjuguer un verbe. Pour conjuguer un verbe à l'éparfait en espagnol tous les verbes terminés en AR. Tous les verbes terminés en AR forment leur terminaison en ABA. Pour les verbes en ER, IR, Alain parfait forme le terminaison en I. Mais le i doit être accentué. C'est pour cette raison que je vous disais au préalable que le verbe douda, c'est un verbe de la première conjugaison parce que ça se termine en AR et forme cette terminaison en ABA. Maintenant ici. Doudaba, c'est maintenant à l'imparfait. Comment ça sera maintenant le verbe de la subordonnée? Le verbe de la subordonnée, ça sera maintenant au subjonctif parfait Sera maintenant au subjonctif parfait Regardez bien. Doudo, Doudo, Que L'eau soupira. dudo Quand le verbe de la proposition principale est à l'imparfait, le verbe de la subordonnée, ça sera à l'imparfait du subjonctif. Exemple. le verbe doudard. Le verbe doudard, c'est un verbe de la Première conjugaison, parce que ça se termine en AR. Maintenant, quand je vais le conjuguer maintenant à l'imparfait, tous les verbes terminés en AR, à l'imparfait, font leur terminaison en ABA. Et pour les verbes en ER, IR font leur terminaison en IR. Il doit être accentué. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer la terminaison. J'élimine la terminaison. Je vais maintenant souder le ab. Et là, j'ai l'imparfait. Automatiquement, le verbe de la subordonnée doit changer. Comment ça sera? Que l'eau sous Que l'eau ou sous Suivez maintenant, je vais expliquer. D'où sous-piera ou sous Le subjonctif est parfait à deux formes. La première forme, c'est en rat. La deuxième forme, c'est en se. Ce. Mais les deux formes sont identiques. Le verbe, c'est le verbe saber. En français, c'est savoir. Pour obtenir l'imparfait du subjonctif, on doit connaître ou on doit savoir conjuguer le verbe au passé simple. Qu'est-ce qui est important? C'est la troisième personne du passé simple, ça sera sous pierron. Ça, c'est le passé simple. J'élimine le rang. Je vais remplacer par ra. Soupira. Deuxième forme, soupié. Voilà d'où sort soupira. Comment ça sera maintenant la traduction en français? Ça sera je doutais. Que tu le saches. Et nous allons passer maintenant au passé simple. Le même verbe. Ça sera doudé. Doudé. Automatiquement ça change. l'eau Soupira ou sous pièce. Là, c'était imparfait. Et là, passé simple. Le même verbe. Si je dis je mets ce verbe au conditionnel, ça sera doux, daria. Et l'eau soupira. Comment beaucoup se demandent d'où sort d'oudaria? Mais pour conjuguer un verbe au conditionnel, on doit savoir conjuguer. L'auxiliaire abir. à est parfait. Ça sera abir ». Abia, Abia. Ça, c'est tout juste pour vous ramener à la raison. J'enlève les IA, les IA, les IA. Je viens souder à l'infinitif du verbe demander. Ici, là, le verbe, c'est le verbe douda. Mais quand j'enlève le IA, là, je viens souder. Ici, j'ai le conditionnel. J'ai le conditionnel. Et nous avons un problème. Ici, là, le comme aussi nous entraîne automatiquement au subjonctif imparfait. Le mot aussi. ça est là, qui bien. Comme aussi, entraîne automatiquement le subjonctif. Est parfait je peux te donner un exemple habla comme aussi comme aussi c'est effet là le verbe, je l'ai mis à l'infinitif mais là ça ne sera plus au subjonctif présent, ça sera maintenant au subjonctif imparfait parce qu'il y a la présence de comme Si. Ça sera maintenant Abla comme Si Fuera Ou Ça est là. Il parle comme s'il était chef. Maintenant, ici-là, je vais maintenant vous donner tout ce qui entraîne le subjonctif est parfait. Les expressions qui entraînent au mode subjonctif. Nous avons ici Mandar. Mandar exprime l'ordre. Nous avons regard. Exprime la prière. Nous avons à exprime le conseil. Pédir exprime une demande, antes de que, avant que, sin que, sans que, espérer à que, attendre que, mais surprendre de que, je suis surpris que. Suivez maintenant ici. Par exemple, je vais vous donner un exemple. exemplo do ponto a veg mandar lord a veg lord manda à la madre que que prépare la comida l'ord demande à la maman qu'elle prépare la nourriture c'est un ordre Manda. Et ici directement, comme c'est un verbe qui se termine en AR, au subjonctif présent, ça sera les désinences en E. C'est pour ici on a mis que prépare. On ne peut jamais mettre que prépare. Là ce n'est plus l'espagnol, on n'a pas respecté la concordance des temps. Que prépare la comida. Deuxième exemple. Te, te rego, que te ruego que venga rápido. on va voir le verbe regar c'est un verbe à diptongue. O, du radical va changer en oué sous poids de l'accent tonique. Donc, c'est pourquoi c'est regard, verbe de la première conjugaison, verbe à div la voile du radical, le O va se transformer en oué. Ce pour ça on a mis Ruego. Mais si là, le verbe benga, benga, c'est le verbe bénir. Quand vous avez vu le verbe, les verbes irréguliers, le verbe bénir, ah, le verbe bénir au présent du subjonctif pour conjuguer un verbe au présent du subjonctif, si c'est un verbe irrégulier, c'est partant de la première personne du singulier présent de l'indicatif. Ce verbe-là au présent de l'indicatif, ça sera yo bengo. Ça, c'est le présent de l'indicatif. Mais cette irrégularité doivent intervenir à toute personne du subjonctif présent en respectant les terminaisons. Parce que le subjonctif nous dit ceci, verbe en AR, forme le terminaison E, ER, r en A. C'est pourquoi ici il y a eu l'intervention, on a écrit Benga. Donc on veut dire, je t'en prie, Benga. Je t'en prie que tu viennes rapide. Deuxi bon troisième on peut mettre troisième le verbe à je peux dire que à que à que nous diga que nous diga Nada à Nadie. Là, c'est n'est pas Nadia, hein? là, c'est Nadie. Et à conseil que nous disons nada à Nadie. Je te conseille, ne dites rien à personne. Voilà les expressions qui entraînent. Le mode. sumujanti aora ba mosa pasa ala tare yasi pour noli po de mo de arasi mira ke sta. Aquí está la tarea para ver si usted comprendieron muy bien la clase. Aquí se dice así. Traducir las oraciones siguientes respetando la concordancia de tiempos. Respetando la concordancia de tiempos. Vous allez maintenant rendre ça en espagnol. Tu fais comme si tu ne voyais rien. Vous allez rendre ça en à tout vu. Le comme si nous entraîne à quoi? Quand il y a déjà la présence de comme si, je pense que le verbe là va changer. Ça sera maintenant au subjonctif parfait. C'était avant que je la connaisse. Tu sais très bien tu sais très bien que je ne voulais pas que tu sortes. Exercice numéro 2. Compléter chaque phrase en conjuguant le verbe entre parenthèses. Le verbe est là entre parenthèses. Je sais que vous aurez un peu de difficulté, mais je vais expliquer. Mais le verbe là, beaucoup de candidats se demandent, mais le verbe entre parenthèses, je vais le conjuguer à quel temps? Mais c'est très facile. Pour conjuguer ce verbe, c'est partant de la proposition principale. Elle est là au présent de l'indicatif. Vous avez le tableau. Insistez. sur au présent de l'indicatif. Maintenant, comment ça sera le verbe de la subordonnée Quand le verbe de la proposition principale est au présent de l'indicatif, automatiquement, le verbe de la subordonnée change. Point d'interrogation analysé. Vous devez bien analyser. Maintenant, le petit B me dit ceci. Mettre les verbes de la principale au passé. Mais c'est ce verbe-là que tu vas mettre au passé. Toi-même, tu connais. Tu vas mettre ça à quel passé? Si tu veux, tu peux mettre au conditionnel. Si tu veux, tu peux mettre au passé composé. Au plus que parfait. Mais automatiquement, oh. hemos terminado la classe de hoy. La próxima vez, vamos a ver otra clases. Es necesario que usted tenga que presta bien l'attention la, la classe. A domicilio. Eso es muy importante. A la próxima vez.